On en était où? Philippe Allaire, Girlstock vient de renouer avec le succès dans le Prix Guy de Loison. Est-ce qu'elle vous a quelque peu surpris? Ouais, regarde, ils battent toutes ces championnes, là, ces grandes championnes, oui, bien sûr, mais non. Elle avait très bien couru quand on rentrait en gain, elle a été mise hors course dans les tournants. Elle marchait 12, 2700 mètres derrière Gotland. On l'a remise comme quand elle était pouliche sans entraînement. Je trouve qu'elle respire mieux, elle va beaucoup mieux. Elle baisse la tête et David a trouvé une grande course. Il a suivi G, il a fait le sueur de roue. Nous, on a souvent l'habitude d'aller devant avec nos chevaux. Hein, nous, on se cache jamais, mais là, celle-là, il faut un peu la planquer. On a couru comme pour être troisième. Et puis David m'a dit, dans le dernier tournoi, il voyait qu'il avait du gaz et qu'il venait chercher la jument de tête. Qui a fait le job, qui est une craque, qui est sûrement... Elle a fait une vraie rentrée, la jument de tête, et une jument qui en fait beaucoup dans la piste collante. Enfin bref, c'est pas moi qui vais parler de la gagnante, je vais parler de la mienne, je suis content qu'elle soit venue la chercher. Quoi. Voilà. Elle pense avant, parce que Green Grace l'avait régulièrement devancée. Ah oui, non mais elle est sûrement bien meilleure que la mienne. Oh là là. Il y a des champions. Les champions, c'est ces dernières années, c'est Reddy Cash, Timoko, Bold Eagle. Après, il y a des classiques, mais les champions, après les champions, les gens, je ne parle pas pour vous, Christophe, vous en voyez beaucoup, il y a des journalistes, en voient. Tous les jours, ils voient des champions, en province, partout, ils voient des champions. Moi, j'en vois pas beaucoup, j'ai vu Reddy Cash, avant, on a vu Taylor de Beaune, on en a vu d'autres, hein. On a vu Orasi, là, on a vu, je vous dis dernièrement, Bold Eagle et Timoko, voilà, ça, c'est des cracks, ça, c'est des champions. Après, ma jument, elle est bonne, elle est sûrement moins bonne que les autres, mais elle a tellement été bien drivée. Voilà. Direction un petit semi classique de femelle. Ouais, bien sûr, c'est génial ce qu'elle prend, c'est bien. C'est une jument, elle fera qu'un poulain par an, elle est à nous. On a perdu la mère, c'est une jument de cœur. On avait Baby Girl, on l'adorait. On l'a rentrée tôt au Hara, on a deux femelles derrière à suivre. Donc une vache que j'aime beaucoup, une rédicage qui s'appelle Hot and Spicy, qui va pas tarder à débuter, qui est une bonne pouliche. Voilà. Merci Philippe. Je vous en prie.